Bonjour à tous et bienvenue sur Technovore. Il y a de cela 3 mois, Google a annoncé le support d'un nouveau langage pour sa plateforme Android ou Android Studio. Ce langage s'appelle Kotlin. En gros, c'est une fusion entre un Python et la tasse de café. Bon, plus sérieusement, Kotlin est un langage de programmation qui ressemble fortement à Python au niveau de la syntaxe parce qu'il est facile à apprendre et qui est interprété en JVM, en Java Virtual Machine. En gros, c'est Java avec une syntaxe beaucoup plus simple. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour ce premier cours d'introduction à Kotlin, on va tout d'abord télécharger Java. Donc, pour télécharger Java, on se rend sur le site de Oracle, oracle.techno, Tech Network, Java et tout le reste. Donc, les liens seront dans la description de la vidéo. Donc, on se rend sur le site de Oracle pour télécharger les JDK. On cherche simplement la dernière version des JDK en fonction de notre système. Donc là, moi je vais prendre pour Windows 64 bits là. On choisit Windows 64 bits. On télécharge les JDK et on installe. Pour ma part, j'ai déjà installé, donc pas besoin de retélécharger. Ensuite, après avoir eu Java sur notre système d'exploitation, qu'est-ce qu'on fera? On va aller télécharger l'IDE qui permet de pouvoir programmer en Kotlin. IDE signifie un éditeur de texte intégré ou un environnement de développement, vous voulez. Donc on va télécharger IntelliJ IDE. IntelliJ IDE possède deux versions, une version Ultimate qui est payante mais avec un essai gratuit pour quelques jours et une version Community qui est gratuite. Cette version Community suffit amplement vu qu'elle nous permet de développer en Kotlin. Donc on va télécharger IntelliJ IDE qui se trouve chez JetBrains. Vous vous rendez sur Google, vous tapez JetBrains ou IntelliJ tout simplement, vous pourrez télécharger. Pour plus d'informations, il y aura les liens dans la description. Donc, après avoir eu ces deux outils, une fois qu'on a fini d'installer les JDK et d'installer IntelliJ IDE, il va falloir configurer ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc pour cela, si vous êtes sur Windows, vous tapez directement dans la barre de recherche là, vous tapez variable d'environnement, voilà. Ou si vous êtes sous Windows 8 ou vous ne voyez pas les variables d'environnement, vous pouvez venir dans votre PC, faire clic droit, propriétés, ensuite paramètres système avancé, vous venez dans variable d'environnement, vous cliquez dans variable système, vous ajoutez une nouvelle variable et là vous donnez le nom Java Home. Et ensuite, vous cherchez le chemin où les JDK se sont installés. Pour cela, vous vous rendez dans votre PC. Voilà. Sur le C, vous partez dans Programme. Ensuite, vous cherchez Java. Là, vous aurez JDK. Vous entrez dans le dossier JDK. Vous copiez le chemin des JDK. Faites CTRL-C. Il doit copier. Ensuite, vous venez là et vous collez le chemin. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc pas besoin de rajouter le chemin pour Java Home. Donc une fois que tout ceci est fait, on peut maintenant commencer à programmer en Kotlin. Après avoir fini de télécharger IntelliJ IDE, vous lancez IntelliJ IDE. Donc bon, moi j'ai déjà lancé, donc il va s'ouvrir, c'est lui qui est là. Donc vu que j'ai déjà configuré mon IntelliJ, ils m'ont pas demandé de le reconfigurer. Pour ceux qui viennent de démarrer IntelliJ, ils vont vous demander de faire une petite configuration, mais c'est juste pour personnalisation du thème et autres. Voilà. Donc, on peut commencer. On va créer un nouveau. Pour cela, on va créer un nouveau projet. Donc, on vient et on fait Create New Project. On attend que ça charge. Ensuite, on choisit Kotlin, JVM. Et on fait next. On donne le nom. Moi j'appelle Kotlin, je dis Kotlin YouTube. Et je fais finish. Voilà. Donc j'ai maintenant mon IntelliJ IDE qui s'est ouvert. Donc vous pouvez remarquer que là il y a une zone qui sera la zone où on va écrire, où on va faire, on va taper notre code, où on va faire tout ce qu'on veut comme programme. Et là, on a l'explorateur des fichiers.
Donc vous venez dans le dossier source et vous faites clic droit. Vous pouvez faire directement File, New, Kotlin File Class. New, Kotlin File Class. Et on va choisir, on va écrire un nouveau nom pour notre classe. Intro. Kotlin. Ok. Avant toute chose, comme en Java, si vous avez déjà fait Java, vous savez que pour écrire un programme, il faut forcément créer une première fonction. Cette première fonction sera la fonction main. C'est à l'intérieur de cette fonction main que tout notre programme va s'exécuter. Bon, peut-être c'est là un peu la seule différence avec Python. Donc, tout d'abord, on va écrire notre fonction main. Tout simplement, on écrit main. On aura l'intelligence qui va nous faire sortir main et on appuie sur entrée. Voilà, notre fonction main a été créée. On peut maintenant commencer à taper notre code Kotlin. Ok, donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra? On verra les premières instructions de Kotlin. Tout simplement, comment afficher un message en Kotlin. Si c'était en Java, la syntaxe pour afficher un message en Java est assez longue. En Java, on allait écrire système. Point out, point print et entre parenthèses le message maintenant. Mais vu que nous ne sommes pas en Java et nous sommes en Kotlin, Kotlin qui simplifie, on peut dire qui simplifie toute chose qui simplifie Java. Au lieu d'écrire système point out point print, on écrit simplement print pour afficher un message. Et à l'intérieur du print, on écrit notre message entre les deux griffes. Donc là, on va écrire salut. Salut YouTube. Voilà. Donc, on vient de faire notre première application, on vient de taper nos premiers codes en Kotlin. Ensuite, on peut l'exécuter. Pour l'exécuter, vous faites tout simplement clic droit, run intro Kotlin. Voilà. Vous faites run. Normalement, vous verrez en dessous qu'il y a un petit chargement. Voilà, pour dire que notre application est en train de compiler. Je remets un peu tout à sa place. Notre application est en train de compiler. Voilà. Lorsqu'elle finira de compiler, elle va s'exécuter. On aura une console. Et voilà. Salut YouTube. Donc, c'est un peu tout pour cette première, pour cette introduction au langage Kotlin. La prochaine fois, nous verrons tout ce qui concerne les variables et les entrées-sorties. Donc vous pouvez vous amuser à écrire un petit programme comme ça. Bon, vous pouvez faire plusieurs messages. J'ai failli oublier. Il y a deux types de print. Soit vous pouvez faire print simplement pour dire écris-moi, plutôt dire affiche-moi un message. Voilà. On dit affiche-moi. Salut YouTube. Mais aussi on peut écrire et revenir à la ligne. Tout simplement, on écrit print et on met ln pour dire nouvelle ligne. Et on écrit notre message à l'intérieur et entre griffes, à l'intérieur des crochets et entre griffes. Donc, salut YouTube. Je retourne. Et on va mettre un troisième message en dessous qui sera un print simple pour dire. On va tout simplement dire ligne. Voilà. Ensuite, on va relancer notre application pour voir quels seront les changements qui sont apportés dans notre console. Vous verrez que après avoir écrit un print simple, voilà, lorsqu'on a écrit salut YouTube, le premier print, il met tout sur la même ligne. Et voilà qui s'arrête là. Ensuite, le deuxième print, vu que le premier print n'était pas un print qui revient à la ligne, tout notre message a été écrit sur la même ligne. Par contre, le print ln a fait que le prochain message qui suivait, c'est-à-dire le message ligne, est retourné à la ligne. En gros, si vous voulez écrire quelque chose sur plusieurs lignes, vous utilisez les print ln. Si vous voulez écrire un long message sur une seule ligne, vous utilisez le print. Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour la suite des aventures.